So big for me. Hi guys, cool channel. J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super, à part que aujourd'hui je sais pas quel coup de vent, il pleut. Mais quand je dis qu'il pleut, c'est de la grosse goutte, hein. On n'est pas sur de la farine de pluie. Ce qu'on va faire, c'est que, enfin, qu'est-ce qu'on va faire, guys? Today on va ciné encore. Et oui, je vous ai réservé une petite vidéo try fit me. Que je m'attendais pas à ce qu'il pleut en fait ce matin. Je me suis réveillée à 4h pour Pipou et tout et il pleuvait déjà. Et là il continue toujours à pleuvoir, le temps est gris, donc je pense que je vais y aller quand même. Aujourd'hui, on revient avec une vidéo creating. J'ai pas encore fini de me préparer. Actuellement il est 7h passé. Pas trop tôt, ça va encore. J'ai voulu faire une petite vidéo d'intro. Excusez-moi pour ma tête, parce que là ça va pas. Il faut que je me fasse une beauté, parce que là rien ne va. Mon petit jus, mon café m'attend juste après. Donc let's go, je vais me préparer et je vous retrouve après pour plus de détails. A toutes! Re-coucou tout le monde! C'est bon, je suis prête, habillée, maquillée. Il me manque juste un petit pull. Je vais vous montrer mon outfit rapidement. Faire un petit topo. Donc en gros, aujourd'hui, petite journée tracting, enfin petite matinée du moins. On va sur la ville du tampon. Je vais faire un tour à l'Emmaüs. C'est la première fois que je pars là-bas. Grâce à une abonnée, je te fais plein de bisous. Merci encore à toi de m'avoir donné ces petits tips. Comme d'habitude, vous êtes toujours fidèles, tellement attentionnés avec moi. Et en plus, je teste de nouveaux endroits, style Emmaüs, etc. grâce à vous. Donc c'est trop bien. Merci encore. Plein de bisous à toi. Je vous aime aussi, vous inquiétez pas. Hein. Voilà, petit programme pour aujourd'hui et puis on verra comment c'est là-bas. Il y a pas mal de vêtements, objets, etc. J'espère trouver mon bonheur. J'arrête de parler parce que là je vais devoir y aller un petit peu en speed, je vous avoue, parce que ça ouvre à 8h30 et là il est presque 8h30, donc Chloé comme d'habitude toujours en retard, ça change pas. Donc je vous montre mon petit outfit. Donc j'ai mis un petit haut Fairly Vibes lingerie comme ça en blanc que je vous avais montré dans ma dernière vidéo si je me trompe pas. J'ai mis une petite jupe que j'ai chinée avec une amie, donc Tania si tu passes par là, bisous. Magnifique avec des petits motifs, j'aime trop. Taille basse avec une petite ceinture comme ça. En chaussures, j'ai mis toujours les petites chaussures taille haute, la grosse semelle comme là, parce qu'il faut que je m'en rachète d'autres. J'en ai plus. Niveau sac, j'ai mis un petit sac Guess que j'ai chiné il n'y a pas trop longtemps, mais vous ne l'avez pas encore vu sur YouTube. Donc voilà, magnifique petite trouvaille, pépite, vintage, Guess. Quoi dire de plus, c'est mon obsession cette marque. Et avoir beaucoup de sacs Guess. Il fait partie de la famille et peut-être bientôt je vous ferai une vidéo où je vous montre tous mes sacs Guess en précision. Vous inquiétez pas. Petit look, je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'aime beaucoup. Voilà, pour aller chiner, hyper confortable. Puis let's go, je vais prendre un pull et on va chiner. Ah, trop hâte, trop pressée de voir comment c'est là-bas. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve après. Guys, désolé vraiment pour la qualité, il fait tellement gris, c'est incroyable, mais je pensais vraiment pas qu'il faisait aussi moche aujourd'hui. J'espère vraiment que niveau vidéo là ça va être bien la qualité, sinon sur YouTube ça va être une catastrophe. Ça va m'énerver vite je pense. Et donc du coup mon petit look, voilà, j'ai mis mon petit pull en crochet que j'ai chiné à la brocante de Saint-Leu, vous l'avez déjà vu, donc voilà, ça se resserre à la taille, c'est trop beau. En plus ça met en valeur ma petite lingerie en top, comme ceci là, j'aime trop, oh là là j'aime trop. Et j'ai rajouté aussi un petit pince, comme d'hab elle est toujours là. Trop hâte, on va chiner, je vous emmène avec moi aujourd'hui, plutôt une bonne petite journée, j'espère que vous allez aimer. Let's go, on y va. À toutes. C'est ici, donc let's go. Il y a pas
pas mal de vêtements. Je vais regarder un petit peu si je trouve quelque chose. Regarde si je trouve quelque chose. Ça, c'est pas mal, ça. Oh, c'est une étiquette. Il n'y a rien. Attendez. C'est trop bien. Je sais pas, c'est pas écrit. J'ai trouvé le même à l'avocat. Oh, mais celui-là, il a l'air d'être. Non. Désolée si la luminosité est pas top. J'ai cette petite jean comme ça. Petite poche et tout. Trop grand pour moi, je passe de l'autre côté. Celle-là est pas mal. J'ai pas pris de panier. Ouais, c'est bien. C'est sympa ça. Pas mal. Le petit objectif. Panier. Attends, attends, ah, c'est possible. Ah, mon téléphone tombe. Je vais faire ça. On a une boule. Non, tu veux rien, mais bof. Petit haut là, j'aime bien aussi en lingerie. Celui-là aussi, j'aime bien. La marque surtout, j'aime beaucoup. C'est ça. Mmh. Bon, deux petits trucs. On passe aux robes pour voir ce que je trouve. Petite robe vintage. Il y a
pas trop trop de sac de choix. Non, non. Il y a pas mal de vaisselle comme vous pouvez le voir. Ça, j'en cherchais un comme ça la dernière fois et j'ai pas trouvé. Et là, comme par hasard, pas mal d'assiettes, pas de Rosaline en vue. Bon, on a fini le bas, en bas ici, et du coup on monte à l'étage, donc let's go. Donc en fait quand vous entrez, vous passez par là et vous avez les cintres en bas et tout, et ensuite il y a l'escalier là et il y a d'autres petits trucs en haut. Un petit coup dans les bikinis parce que je recherche du vintage aussi. Donc, faut checker, faut regarder. Celui-là, il est vintage. Petite jupe est pas mal. Il y a une étiquette? Ah ouais! Vintage. Ou peut-être que si. Attendez, je vous dis ça. Fabriqué en France. Donc là, j'ai fini ce côté. Il me reste ce côté. Encore tout ça là. Décidément, je sais pas ce que j'ai avec les jupes. Pas mal celle-là, là. Kiki. Taille 36, en plus, c'est ma taille. Ça, c'est full vintage, ça. Oh my gosh. Trop beau. Non? J'arrive au moment des trucs. Attends. Il y a des petits hauts comme ça. Trop bien. Celui-là, non mais. Oh là là. Trop, trop beau. Oh my god. Je sais pas, gars, j'hésite. Elle est bien. Par exemple. Cette couleur là j'aime bien. Petit corset mais it's so big. Bon, on regarde ce qu'on prend et ensuite on passe à la caisse. Donc ça, petit corset, ça regarde, du musette. Le panier est tellement plein, je sais pas comment je vais faire. Galérance. Quand je vous dis que le truc il est genre so big for me, je suis trop contente. Guys. Thank you.
c'est encore moi, donc retour back home, complètement zappé de prendre quelque chose, je sais pas comment j'ai fait, mais sans doute avec le stress, le speed et de devoir payer, j'ai zappé de prendre un bijou. Je suis trop deg, je vais essayer de repasser vendredi s'il est encore là, j'espère. J'ai pas encore lavé les vêtements, mais voilà, je sais pas si je vous fais un petit try on là maintenant ou si je vous ferai ça après. Et je rajouterai sur le montage. Un petit retour de ce que j'en pense de cet Emmaüs. Pour le trouver, c'est facile. Si vous connaissez un petit peu la vue du tampon, c'est vers la fin de la ville où il y a Essenter. Vous continuez un petit peu tout droit et c'est sur votre gauche en venant de la droite. Et pas mal de vêtements, je m'attendais pas à autant de portants. Beaucoup plus que à Saint-Pierre. Voilà, niveau organisation, pardon. C'est-à-dire que c'est moyen, moyen. Personnellement, moi, je pars du principe où je mets à la place des clients. Donc quand les clients viennent chiner, il faut que ça soit bien rangé, bien propre et tout, comme les maïs de Saint-Pierre. Rien à dire pour ça. Ouh, pardon. Bien rangé, les cintres sont bien rentrés. Sinon, il n'y a pas énormément de vêtements qui débordent montagne gigantesque sur les portants. Il faut que ça soit aéré, s'il apprend, etc. Je vous avoue que c'était un petit peu compliqué. Donc, j'ai essayé de filmer pas mal de petites scènes. Mais je vous avoue que voilà, c'était pas fameux. Mais j'ai essayé de faire de mon mieux. Donc, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Au moins, le peu que j'ai essayé de vous montrer. Sinon, niveau trouvailles et pépites, ça va. J'ai trouvé quelques trucs Fairy Vibes. Quelques trucs un peu Y2K, basique et tout et tout. Par contre, le point négatif, c'est que c'est archi cher. Je pensais pas que c'était aussi cher. Genre, tous les trucs commencent à partir de 3€. Les pulls, c'est 5€. J'ai eu un short pour 2€ et une jupe pour 3. Au total, j'en ai eu pour... et un bijou. Là, j'ai vu un petit pull Y2K vintage. J'ai pas pu le prendre parce que c'était 5€. Donc voilà, des fois il faut se mettre des barrières, enfin il faut se mettre des limites et se dire que voilà, c'est de la seconde main, mais il faut pas dépasser quand tu chines plus que 4€ ou 3€. Un petit peu déçu des prix, des tarifs là-bas, mais sinon dans l'ensemble ça peut aller à part l'organisation. J'arrête de parler et je vous montre du coup ce que j'ai acheté. Voilà, il y a quelques bordels, je vais essayer de ranger avant de vous faire le haul. Donc c'est parti pour le haul. Au total, j'avais pris pour à peu près 10 articles si je me trompe pas. Et j'étais obligée d'arriver à la caisse parce que comme je vous ai dit, il n'y avait pas les prix marqués sur les cintres ou sur les produits. Donc du coup, on pouvait pas savoir c'était combien. Donc en fait, tu arrives, tu chines, tu mets plein de choses dans ton panier et quand tu arrives à la caisse, on te dit bah tout est à partir de 3€. Donc t'es là en mode ah ouais quand même, mais 3€ ça monte très très vite, 3, 6, 9. J'étais obligée de déposer plus les 5€ et tout. J'étais obligée de laisser quelques articles parce que de faire en sorte de pas trop dépenser, mais de trouver et de chiner les pièces, les meilleures pièces à pas cher. Je sais qu'à la brocante des petits pulls en crochet comme ça je peux en trouver plein, donc pour 1€, donc voilà. Donc je vous montre ce que j'ai acheté. En premier je vais vous montrer le petit bijou. Donc c'est celui-ci, je vous ai fait un petit story tout à l'heure pour vous demander quel bijou j'avais acheté. Et du coup vous n'avez pas trouvé, vous m'avez dit l'autre que je voulais prendre mais que je n'ai pas pris parce que j'ai complètement zappé comme je vous ai dit. Je vous montre déjà en premier le petit bijou que j'ai chopé. Donc il y avait pas mal de bijoux. En vrai 2€ c'est pas cher, mais je sais qu'à Saint-Pierre je peux avoir ça pour 1€. Donc 2 bijoux pour 2€. Et là j'en ai eu un seul pour 2€. Donc vous voyez un petit peu la différence. 2€ c'est pas cher. Je vais rester quand même sur le 1€ à l'Emmaüs de Saint-Pierre. Donc dans les mêmes styles que j'ai chopé il y a pas trop longtemps. Donc déjà j'ai chopé celui-ci. Je ne vous l'avais pas encore montré, il est super beau aussi, j'aime beaucoup. Y2K style année 2000 qu'on mettait avant et qu'il n'y en a plus trop. Donc j'ai trouvé celui-ci en orange, voilà, avec des petites perles comme ça. J'aime trop, trop bien à rajouter avec ma collection de bijoux Y2K. Ensuite, on passe aux vêtements. Donc en premier, je vais vous montrer le truc un peu thème Fairy Vibes que j'ai trouvé. J'étais trop contente quand j'ai trouvé ça tout à l'heure. Genre, c'était vraiment sur la fin, mais ça m'a fait vraiment plaisir de trouver des vêtements Fairy Vibes. Il n'y en a plus trop comme je vous ai dit. Et quand vraiment j'en chine, c'est vraiment... pépite et c'est du vintage. Allez, je vous montre tout ça. En premier, on a ce petit top tunique, je pense, parce qu'on peut pas faire de robe avec. C'est un petit peu
trop, oula, un petit peu trop court pour une robe, je pense, je sais pas. Un petit peu trop court, donc ce petit top tunique Fairy Vibes, très 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 beau, très pinky, très girly vibes. On a plein de petits sequins comme ça, vous voyez de toute façon la caméra comment c'est. Oh, gorgeous, magnifique, j'aime trop. Et au niveau de la marque, ça s'appelle PPLG, pas pour les garçons. Donc voilà pour la marque. À voir avec quoi mettre, une petite ceinture pour refaire la taille un peu. Mettre une petite jupe courte, Y2K, oh my gosh. The look vibe. Deuxième petit ou un peu Steve Harvey vibes de la marque Charbel Paris. Ça, c'est une de mes marques vintage préférées. Si, j'aime beaucoup. Donc, je vous montre la marque Charbel. J'en ai deux comme ça. Avec celui-là, ça fait 3, je crois. Voilà. Donc, le petit haut, il est comme ceci. Je sais pas si vous me voyez bien parce que j'ai l'impression. Voilà. Oups, on voit mes boobs. Donc, voilà, c'est mieux là. Punaise, la caméra était mal placée. Sorry, guys. Comme ça. S'attache dans le cou, trop trop beau, oh my god j'aime trop. Là la caméra vous voyez une couleur un peu bleuâtre bizarre, mais en fait c'est un genre de turquoise vert, j'adore le vert vous savez déjà. Et c'est un petit top court comme ça, vintage, 100% vintage, oh my god je suis trop contente, vraiment pépite. Et pareil 3€, donc là on est déjà à 6€, vous voyez pourquoi je vous dis que c'est archi cher, genre voilà, ça monte trop vite. Prochain article, c'est une petite nuisette de la marque Etam. Donc, vous savez que j'en recherche pas mal de petites nuisettes de la marque Etam. Et là, j'en ai trouvé une noire, comme d'habitude. C'est pas souvent que je trouve des couleurs. À la brocante, je trouve pas mal de petites nuisettes colorées, mais je sais pas, dans les maïs, tout ça, je trouve pas beaucoup. Je l'ai trouvé Kiki avec un petit nœud ici, trop beau. Un peu style vintage. Elle est vintage parce qu'on n'en retrouve plus trop. Kiki, il y a des petits foufous en bas, j'aime bien. Il est 3€. Ensuite, j'ai trouvé un petit haut pour dormir. Un peu style nuisette. C'est pas un vintage, je pensais. Mais en fait, c'est une marque chinoise de Kiki. Donc pour dormir, ça va, on va pas faire chichi. Que c'est vintage ou pas. Mais Kiki, pour dormir. Donc voilà, 3€ aussi. Et il y a des petites retouches à faire. Ensuite, guys, vous n'êtes pas prêts. J'ai trouvé un corset vraiment au fond du truc, genre tout en haut. C'est vraiment dans les derniers articles. Ça n'a pas été fait en France, mais fait en Thaïlande. Mais à mon avis, c'est vintage parce que niveau forme et tout, je pense. Petite pépite vintage noire. Je sais pas pourquoi je prends que des trucs noirs alors que de base j'ai dit que je n'aime pas trop le noir. Mais je le trouvais trop beau. C'était le seul corset pépite qu'il y avait là-bas. Donc j'ai dit bon allez, 3€ ça va. Trop trop beau, j'aime trop. Ça fait très sexy. T'as vu. Ensuite, dernier petit top. Après il me reste ben, la jupe et le short comme je vous ai dit. J'ai pris ce petit top des Y2K de la marque Top Studio. Donc c'est un vintage made in France. Donc, et en fait c'est un petit haut qui, derrière ça fait tout le détail. C'est ça vraiment que j'ai aimé. Derrière t'as un petit anneau comme ça. Ici et devant ça se met comme ça en fait. Mais dans le cou, tac. Et derrière c'est dos nu avec. Bref là on voit pas grand chose que lui. Super kiki, so girly, pinky. Donc je me suis dit on va le prendre. Ensuite un short, j'ai trouvé un short vintage de la marque Déclic. J'avais déjà une petite jupe de cette marque là, mais j'avais jamais trouvé de short ou de pantalon, de jeans, etc. Comme ça, en plus l'été arrive chez nous. Je sais pas si je vous ai dit, mais là on est en début d'été ici, c'est fini l'hiver. L'été commence à se ressentir pas mal. J'ai pas beaucoup de shorts, j'ai que des jupes. Les jeans, j'en mets quelques-uns de temps en temps, mais je préfère mettre des shorts. Oh my gosh, guys, regardez-moi ces pockets. Ces petites poches trop trop belles. J'aime trop. C'est trop vintage pour moi là, j'aime trop. Oh là là, j'adore. Je sais pas si vous voyez bien. Ce genre c'est qu'on peut remonter comme ça ici. Se faire des petits ourlets tranquillou, tu vois. Un côté ourlé, un côté pas ourlé. Un côté court, un côté pas court. Voilà, plutôt sympa ce petit short. 2€ du coup. Le petit short. Une petite jupe vintage. Un peu plus foncée celle-ci.
mais j'ai trop aimé le design. C'est comme ceci, derrière c'est comme ça. Voilà, avec les petites pochettes et tout, trop beige, j'aime beaucoup trop. C'est un petit effet un peu volant ici comme ça, on adore. Taille S et c'est made in Turkey. Donc voilà, et c'est en taille S. Voilà, pour la marque. Trop trop beau. J'aime beaucoup trop. Oh my gosh. Elle est trop belle. Guys, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de faire un petit haul assez rapide pour vous montrer un petit peu ce que j'ai chopé. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que pas mal de petites scènes ont été bien niveau qualité et niveau luminosité. Parce que je vous avoue que c'était assez sombre dans le Emmaüs, donc vraiment compliqué des fois. Puis on se retrouve bientôt pour une vidéo soit tracking soit haul comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner à mon Depop pour pas rater aucune de mes nouvelles pièces vintage ou pas vintage. Si vous voulez les choper, n'hésitez pas à m'ajouter, très important. N'oubliez pas de vous abonner à mon Insta aussi personnel pour voir un petit peu ce que je fais au quotidien. Sur cette bonne humeur et ce bon shopping aujourd'hui, je vous fais plein de bisous. Et puis on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous guys, portez-vous bien, plein de good vibes. Et puis on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous.